trois à quatre méthodes de sexage que vous trouverez sur internet pour les petits poussins. La première méthode, qui est la plus difficile, c'est celle dite du sexage au cloaque, donc à l'examen de l'appareil génito-urinaire du poussin. Je ne vais pas vous montrer là, c'est un peu inconfortable pour les poussins. Puisqu'il faut retourner le poussin, souffler, appuyer légèrement sur son ventre pour voir apparaître son sexe. Ça demande beaucoup d'habileté, ça demande aussi beaucoup d'expérience. Si on veut être complètement bienveillant avec le poussin. Autre méthode de sexage, le sexage à la crête. Certaines personnes prétendent que chez les petits poulets pour lesquels on voit apparaître les prémices d'une petite crête, on est face à un coq. Chez les poules, on ne voit rien apparaître. Une autre méthode qui est celle des plumes au niveau de la queue. Alors, les plumes au niveau de la queue poussent entre 5 et 10 jours après la naissance du poussin. Certains prétendent que si le poussin a des plumes plutôt longues, c'est un mâle. S'il n'a pas de plumes, c'est une femelle. Et puis, la méthode que l'on va regarder, qui est sans doute la plus simple, c'est celle du sexage à l'aile à partir des canons des ailes que je vais vous décrire maintenant. Donc, sur nos petits poussins, matérialise ici l'aile, avec donc là l'extrémité de l'aile. Les rémiges prennent naissance sur le tranchant de l'aile et sur la face supérieure. Donc, chez le mâle, les rémiges supérieures sont soit de la même taille que les rémiges inférieures, voire légèrement supérieures, elles viennent les couvrir, comme ceci. Voilà. Et chez la femelle, les rémiges supérieures sont d'une taille inférieure, plus petite, aux rémiges supérieures. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à distinguer un poussin mâle d'un poussin femelle. Voilà, donc pour faire plus clair, à gauche, les canons des ailes qui signifient que nous sommes face à un poussin mâle, et à droite, les canons des ailes qui nous montrent, qui semblent vouloir nous dire que nous sommes face à un poussin femelle. Allez, on va chercher les poussins. Donc là, nous avons un petit poussin en pleine forme qui est né il y a moins de 2 jours, qui est donc tout recouvert de duvet. Le duvet a la propriété d'être très très chaud. Le problème, c'est qu'il est perméable à la fois à l'air et à l'humidité et à la pluie. Très rapidement, les premières plumes poussent, et elles poussent chez l'ensemble des volatiles en premier au niveau des ailes, à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des rémiges primaires et secondaires, parce que les volatiles, qu'il s'agisse d'oiseaux, de volailles, sont nidifuges, donc ils ont la propriété de quitter le nid, et pour favoriser leur fuite, ils agitent les ailes, pour favoriser la fuite des prédateurs, ils agitent les ailes. Là, on voit très bien, hein, moins de 2 jours, je le rappelle, on voit très bien les canons des ailes sortir, donc les prémices des plumes des rémiges, et là, on identifie très facilement sur ce petit poulet les canons supérieurs qui sont plus courts que les canons inférieurs. Nous avons donc affaire à un petit poussin femelle, voilà, qui n'a qu'une idée, c'est de s'en aller et d'aller retrouver les copains. Ici, un autre petit poussin qui a exactement le même âge et qui, de la même manière, a ses canons des ailes qui commencent à pousser. Et là, on voit que les canons du dessus sont supérieurs, couvrent complètement ceux du dessous. Donc, nous avons affaire
un petit mâle, un petit coq. Au passage, on va regarder la crête. On voit qu'il y a les prémices, vraiment les prémices d'une crête, mais rien de très évident. Voilà, mais ça peut être aussi une bonne indication du sexe du petit poussin.